آياتهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا وكفروا واتبعوا أهواءهم. Mesdames et messieurs, à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'El Hadji Omar Tall, le Don de Leñol a composé ce titre en guise d'hommage respectueux à la mémoire d'un illustre fils d'Afrique dont la sublime épopée marquera à jamais le souvenir de ses semblables. De sa glorieuse existence rapportée par l'histoire impartiale, la postérité en retient les traits d'une figure légendaire, l'exemple achevé de l'élévation spirituelle, dévoué à la rédemption des peuples et des nations. De nombreuses anecdotes, conservées par la tradition, magnifient à travers les âges sa singulière destinée qui se manifesta dès l'aube de sa vie. El Hadji Omar Tall naquit en 1797 à Aloua, au Fouta-Toro, dans une famille pieuse et effacée. Déjà à l'âge de nourrisson, il délaissait le sein maternel durant le mois de Ramadan, s'associant ainsi à l'abstinence des adultes. Plus tard, il fit une entrée remarquable à l'école coranique. Au maître voulant lui donner la première leçon, en pliant un à un ses doigts frêles pour lui apprendre à compter, il demanda au préalable la signification cachée des nombres. Devant son instructeur demeuré silencieux, le petit Omar osa affirmer: 1 signifie l'unicité de Dieu. 2 postule qu'il a créé tout en couple. 3 il a fait de la synthèse la base de toute sagesse. 4. Il oriente le monde en 4 points cardinaux. 5. Il fixe aux musulmans 5 prières quotidiennes. 6. Il créa le monde en 6 périodes. 7. Il a établi 7 cieux et 7 terres. À l'âge de 7 ans, Omar mémorisa le Saint-Coran. Plus tard, il apprit les disciplines classiques enseignées à l'époque auprès de nombreux marabouts qu'il fréquenta à Pire, en Mauritanie et en Guinée.
En 1820, âgé de 23 ans, alors qu'il possédait la science requise pour une carrière maraboutique tranquille, Omar Tall prit la décision d'effectuer à pied le pèlerinage à la Mecque. Sur la route, il fit des haltes prolongées. Il passa par Amdalaï, capitale de l'état musulman du Massina, où il fut bien accueilli par le souverain Cheikh Ahmad. Omar le pèlerin poursuivit son chemin. En 1823, il séjourna à Sokoto, au Nigeria, chez le souverain Mohamedou Bello, fils de Ousmane Danfodio, fondateur de l'état musulman en 1804. Il y fut bien accueilli et comblé d'honneur. Poursuivant sa route vers l'Orient des mystères, l'infatigable pèlerin traversa les savanes et les rivières, les villages et les cités, portant majestueusement ses habits immaculés. Il traversa l'Égypte en 1828, avant de s'en aller à sa destination principale, la Mecque et Médine. Après avoir accompli son devoir de pèlerin, il prit le titre de El Hajj, que la renommée exalta. Avide de la connaissance des choses et des lettres, le désormais El Hajj Omar prolongera son séjour oriental en visitant la ville syrienne de Damas. Aventure unique d'un noir de son temps, il poursuivit son voyage jusqu'au lieu saint de Jérusalem. Thank you.
précisément à Médine pour se mettre au service d'un grand soufi du nom de Mohamed El Ghali, auprès de qui il convoitait le secret d'un grand nom de Dieu. Aussi longtemps qu'il vécut auprès de ce saint médinois, il effectuera humblement toutes sortes de travaux domestiques. Un jour, la Providence voulut que le prophète apparût à son maître, à qui il intima l'ordre de transmettre le secret aux pèlerins tout entiers. C'est alors que le cher dit à El Hadji Omar la révélation suivante. Omar, fils de Saïd, retourne au pays de tes ancêtres pour balayer de cette terre la profanation des idoles. Tes affaires dans ce monde et dans celui de l'au-delà te seront facilitées. Énorme faveur divine. Sa condition de sainteté lui apparut dans toute sa splendeur. En 1832, El Hadji Omar entreprit le voyage du retour vers la terre de ses ancêtres. Au Caire, où il séjourna, un groupe de savants de l'université Al-Azhar, sans doute jaloux de sa prestance, le provoqua dans un duel de dissertation islamique. Il étala sa classe et confondit ses contradicteurs. Humilié, l'un d'eux lança à son adresse la suprême injure raciste. Ta science, aussi brillante soit-elle, nous laisse indifférents, parce que portée par une tête nègre. El Hadji Omar répondit à celui qui osa le défier sur ce ton. Oh, l'ignorant, si tu détestes à ce point la couleur noire, hâte-toi de te faire couper la tête, couverte de cheveux noirs. Cesse de te tourner vers la Kaaba, couverte de voiles noirs. Renonce à la lecture du Coran,
du Saint-Coran, écrite encore en noir. L'assemblée exprima son admiration pour le pèlerin souvané. Couvert d'éloges, il quitta l'Égypte. Comme à l'aller, il repassa par le sultanat de Sokoto, qui lui offrit une hospitalité méritée. Il y resta 7 ans durant lesquels il mena la guerre sainte aux côtés de l'émir Mohamed Bello. En 1837, il quitta Sokoto en reprenant la route occidentale. L'élan irrésistible de sa mission suscitait en lui l'envie de découverte des paysages favorables. Sa légende le précéda partout. Il distribuait sur son passage des objets de piété ramenés des lieux saints de l'islam. Il était déjà le marabout le plus prestigieux du Soudan occidental, adoré par les peuples, craint des rois. Les souverains païens cherchèrent à l'emprisonner, voire l'empoisonner. Il se dirigea vers la Guinée. Au Fouta Jalon, l'Almami lui offrit l'hospitalité sur les terres de Diekunko. Nous sommes en 1840. En 1845, il paracheva sa doctrine religieuse dans un ouvrage resté fameux à ce jour, qu'il intitula Arima, les lances. Après l'achèvement de son œuvre théologique, il entreprit le voyage du retour vers son pays natal. Il traversa la région de Bokeh, le Saloum, le Baol, le Djolof, le Wallo, autant de contrées dans lesquelles il laissera un souvenir impérissable avant de retrouver son village à Loire après plusieurs années d'absence. De 1846 à 1847, il traversa le Fouta d'est en ouest, prêchant la solidarité et l'unité devant le péril colonial. En 1848, El Hadji Omar retourna en Guinée en passant par la Falémé et la Haute-Gambi, suivi d'une masse considérable de disciples. Dès son retour en Guinée, en 1849, il décida de transférer sa base à Dinguiraye, paisible endroit dans le royaume de Djalon-Kadou. Dinguiraye était sous la dépendance d'un roi féroce et sanguinaire, du nom de Kimbasaro. El Hadji Omar acheta sa base au prix d'une quantité énorme d'or. Il y construisit une mosquée, accouplée d'une forteresse à triple enceinte. Son autorité s'étendait. Il se prépara activement à sa mission de djihad, achetant des armes et des munitions, entassant des vivres. El Hadji Omar portait fièrement ses 55 ans. Il était écrit soleil et d'une beauté remarquable. Ses yeux étaient expressifs. Et sa barbe était longue et soyeuse, partagée au menton. Il n'avait ni favori, ni moustache. Il ne parut jamais avoir plus de 30 ans. Personne ne l'a vu se moucher, cracher, suer, avoir chaud ni froid. Il pouvait rester longtemps sans manger ni boire. Sa voix était douce et s'étendait aussi bien loin que de très près. Il n'avait jamais excessivement ri ni pleuré. Sa colère était rare. Son visage était calme, souriant en toutes circonstances. Tel était El Hadji Omar, le prophète Poulard au seuil de sa guerre sainte.
tierno molle buo carca di tiara Tel était l'âge Omar, le seuil de sa guerre sainte. Pour relever le défi de son voisin, il entra dans une longue retraite spirituelle. Lorsqu'il en sortit, il proclama à ses disciples rassemblés que l'heure de la djihad était arrivée. Après un siège de 6 mois, il écrasa Bimbasaro et son armée. Il fit de sa capitale une nouvelle base de conquête des royaumes païens. En 1854, il lança son armée dans une offensive générale. Il s'empara successivement de Sulun, de Djabé, de Bambougou, territoire situé dans le bassin du Bafing. Il se retourna vers l'ouest et conquit Tamboura de Djalafara, détruisit la forteresse de Niagala, s'empara de Sirimana, avant de se fixer à Djafara pour parachever la conquête du Bambouk. La forte place de Farabana se rendit avec armes. Le Bundu, déchiré par la guerre civile, se rallia avec à sa tête le célèbre général Koli Modi. La conquête du Bambouk achevée,
El Hadj Omar devait faire face à l'hostilité affichée de deux ennemis déterminés. D'un côté, le colonialisme français, qui soumettait progressivement les peuples riverains du fleuve à force de jalonnements méthodiques de forts, allant de Saint-Louis à Bakel, et de l'autre, le redoutable empire Bambara Masasi. Par intelligence tactique, El Hadj Omar décida de s'attaquer à l'empire Masasi. Composé de guerriers rompus au combat, l'armée Bambara était redoutée par tous ses voisins, y compris par les habitants du Fouta, victimes des razzias répétitifs et sanglants. En 1855, El Hadj Omar divisa son armée en deux routes. Saritaï, Solo et Banshee des Palais, cher Balrapo. L'armée musulmane rencontra une résistance farouche. El Hadj Omar exhorta ses partisans à la patience et au courage. Il entra dans une retraite spirituelle qui dura un mois. À sa sortie, il donna l'ordre d'attaquer sans défaillance. Ses partisans, révigorés par la victoire annoncée, se ruèrent sur l'ennemi avec ardeur. En une journée, l'armée Masasi subit une perte considérable. L'armée du Djihad traversa le fleuve en pénétrant au cœur de l'empire ennemi. Des places fortes, à l'instar de Kunyakari, Yelimana, Diafuna, sont successivement conquises. Les païens vaincus et résignés se convertir en masse en se faisant raser la tête. La capitale de l'Empire, Nioro, devenait le prochain objectif de la conquête. Tiraillé par une intense action de propagande omarienne, ce qui restait encore de l'armée Masasi fut démoralisé non seulement par la foudroyante défaite subie à Yelimana, mais aussi par l'action souterraine de séduction. N'ayant plus de soldats motivés et ayant obtenu la vie sauve en échange de reddition, le souverain du Masasi, Mamadi Kandjan, se rendit et se convertit à l'islam. Le 11 avril 1855, El Hadj Omar entra triomphalement à Nioro. De Dingira et Okingi, du Bundu, au bel et du goût, il était le maître absolu. Mais le plus dur reste à faire. Secrètement agité par le colonialisme français, inspiré par le général Federbe, une fraction de la population soumise entra en rébellion pour protester contre la limitation de la polygamie imposée par la religion. Le général Federbe, qui venait de construire un impressionnant fort à Medina Sarro, tenait plus que jamais à contenir la continuité géographique de l'Empire romarien naissant. La campagne de pacification dura 2 ans. Conscient du danger rampant représenté par l'hégémonie coloniale sur le fleuve, les partisans de Cheikh Omar, galvanisés par le téméraire Mohamedou Ahmad Kourouan, Hadde Wada, attaquèrent avec courage le fort de Médine en 1857. Retranché dans son réduit assiégé de toutes parts, le métis français Paul Hall défendit énergiquement l'imposante, l'infranchissable bâtisse. Le siège dura 3 mois, faisant de nombreuses victimes de part et d'autre, dont le martyr de la Seine, Mohamedou Ahmad Kourouan. Le fort colonial fut délivré par Federbe, accouru dès la première crue du fleuve. El Hadj Omar entreprit son deuxième retour au Fouta, prêchant le ferco, ou l'exode, exhortant ses parents à quitter leur pays, désormais dominé par la France. Thank you.
décembre 1858. Il passa l'hivernage au village de Rorefonde, entièrement occupé à persuader les notabilités à prendre le chemin de l'exil. En 1859, il repart à Niolo, résolu à parachever sa mission politico-religieuse. L'empire Massassi disparut. Un autre empire encore plus coriace se dressait inévitablement sur son chemin. C'est l'empire de Ségou. La conquête foudroyante du Massassi, voisin certes Oni, avait cependant plongé Ségou dans l'effervescence militaire. Son roi, secrètement converti à l'islam, fut publiquement décapité pour l'exemple. Les Tondions, captif public, vrai maître du pays, proclamèrent solennellement leur volonté d'anéantir le petit marabout porteur de gourdes. Le nouveau roi, Dina Ali, sonna la mobilisation générale. La tradition évalua l'armée rassemblée à 36 000 combattants, dont 12 000 à cheval. Il confia le commandement à son fils, avec mission de vaincre ou de périr. Force colossale, sublime et terrifiante, qui devait décider du sort de l'Empire. La gigantesque armée campa à Ouattara. Le 5 septembre 1860, El Hadji Omar apparut à Ouattara à la tête de son armée, revitalisée à N'Djamena, sur les bords du Niger. À la veille de cette bataille décisive, le compagnon efficace de Cher, un Saint-Louisien nommé Sambandiaï, réussira la prouesse de réparer deux obusiers pris au Bundu par les partisans de la djihad sur le capitaine français Cornu. Le choc eut lieu le lendemain. L'armée musulmane se heurta en murs de feu et de flèches. La panique gagna en instant le rang des conquérants. El Hadji Omar entra dans une nouvelle retraite spirituelle de 3 jours. Il sortit annoncer la bonne nouvelle. Les deux obusiers, que les talibés ont ironiquement baptisés les boucs du gouverneur, firent des ravages dans le camp Bambara. C'est ainsi que l'armée colossale de Ségou a été anéantie, les Tondions dispersés dans la savane. Après avoir soumis au passage la ville de Sansanding, le 15 octobre 1860, El Hadji Omar rentra dans la ville de Ségou le 9 mars 1861. Il brisa publiquement les idoles impériales, construisa une mosquée, confia ensuite le commandement de la cité à son fils Ahmadou. La retentissante victoire sur Ségou ébranla l'édifice géopolitique de la région. Le 12 mai 1862, El Hadji Omar rentra dans la capitale Peul Andalaï. C'était l'apogée de sa gloire. Il était le maître de l'Occident soudanais. 10 ans après le déclenchement de la guerre sainte, son mouvement était au fait de sa puissance. En détruisant de vieux empires chancelants et les petits royaumes divisés, il visait l'intégration des peuples d'Afrique dans un vaste ensemble cohérent et fiable. Il renoua avec les traditions impériales en fondant une vaste entité politique qui opposa une longue résistance à la conquête coloniale. Il est l'un des précurseurs de l'intégration des peuples d'Afrique, au même titre que les anciens empereurs du Songhai, du Ghana et du Mali. Mais toute chose a sa fin. Un an après la conquête de Hamdalahi, une grande coalition formée par ses ennemis du Massina, de Tombouctou et de Ségou s'organisa en vue d'accélérer sa perte. Au mois de mai 1864,
Cette coalition tendit une embuscade meurtrière au vaillant général Alpha Omar Tiernobaila, à Mani Mani. Quelques jours plus tard, l'autre général émérite, Alpha Ousmane, tomba en martyr à Ségué. Ces deux pertes par leur portée militaire provoquèrent une onde de choc aux conséquences funestes. Pendant 8 mois, Hamdallahi, dont les issues furent hermétiquement bouclées, était impitoyablement assiégé. Dans la nuit du 7 au 8 février 1864, alors que le croissant lunaire annonçant le Ramadan faisait son apparition dans le ciel, El Hadji Omar réussit en compagnie d'un nombre réduit de fidèles à quitter la citadelle assiégée, minée par la famine. Tenant par la main ses deux fils, Maki et Hadi, il traversa l'une des portes de la ville, dévorée par les flammes. Ses compagnons et lui s'en sortirent sans aucune brûlure. Ce haut fait miraculeux fut le dernier prodige du saint de Halwa. Il alla se réfugier dans une grotte près de Djegembere, dans la falaise de Banjagara. Il y attendit en vain le retour de son neveu Tidiani, parti chercher des renforts. Toute chose à sa fin, il sentit que la fin était proche. Kalaje moya di sai ko yi cher sai du mamal lo ndalo birni ma olum tini sai du kalaje moya di cher sai sai ko olum tini ndalo birni ma kalaje moya di sai ko yi cher sai du mamal lo ndalo birni ma kalaje moyi ma no fiwi hala bi watinai jamno taro birni Risa 360 idoles pendant sa fulgurante carrière. Celui qui remporta 222 batailles aux dépens de ses ennemis. Celui qui traversa des dizaines de pays en quête de la science. Qui aligna 30 000 combattants pour réussir sa cause. Qui fortifia un empire de 300 000 km². Qui écrit une dizaine de livres pour enseigner les connaissances. Celui-là qui disposait de la ferveur divine d'entendre les cœurs parler, qui vit le prophète à l'état de veille, qui possédait le grand nom de Dieu, qui reçut l'autorisation spéciale de déclencher la guerre sainte, ne perdit jamais la dignité, l'honneur et la lucidité face aux pires épreuves. Le 12 février 1864, alors que l'infortuné refuge était totalement cerné par une coalition haineuse et déterminée, El Hadji Omar disparut dans des conditions encore controversées. L'homme s'en alla avec ses mystères, mais la mémoire se perpétua à travers les siècles. Il ne mourra pas. Il ne mourra jamais. Thank you.
Go.